content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors aujourd'hui, on reçoit une grande dame dans l'histoire de l'automobile française. C'est Marc, notre invité, qui va nous présenter un monument historique. D'où aujourd'hui ma belle tenue, j'ai sorti la chemise pour lui rendre honneur. Et François va nous faire un petit bond en arrière pour nous raconter justement l'histoire de cette auto. Oh, c'est pas concluant. Hein. Salut Mathieu, tu vas bien? Bon, tu m'avais demandé d'avoir quelque chose qui se rapporte à notre modèle, alors j'ai cherché le Camembert et le Kilde Rouge, comme c'est une voiture française, et puis comme j'en avais pas sous la main, j'ai tenté un coup de clairon, mais le cocorico, bon, je vais arrêter parce qu'il va flotter pendant des lustres. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, on a rendez-vous avec une jolie voiture. Une voiture qui a commencé sa carrière sur le marché en 1934 et qui l'a fini beaucoup plus tard, puisqu'en fait, sa carrière va s'arrêter en 1957. Alors, 1934 sort la traction avant. La traction avant, c'est une Citroën qui, subitement, va démoder tout ce qui existe. Elle a une tenue de route extraordinaire, puisqu'en fait, les gens de chez Citroën, l'ingénieur Lefebvre et André Citroën, vont réfléchir au système et se dire, puisque les roues qui apportent la direction à la voiture, c'est les roues avant, puisque les roues qui freinent le plus sur la voiture, c'est les roues avant, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la force motrice aux roues avant? On a le moteur et la boîte qui pèsent dessus, ça donnerait une adhérence super intéressante par rapport aux propulsions avec les essieux rigides façon charrette, comme il y avait beaucoup dans les années 30. Donc, de cette idée naît la traction qui sort donc en 1934 et qui met un coup de vieux monumental à une grande partie de la production automobile française, avec notamment des voitures dites de sport qui n'arrivaient pas à suivre la traction parce que la traction tenait beaucoup mieux la route. Donc, la traction, c'est vraiment l'esprit Citroën et on va avoir plusieurs modèles. Elle sort, c'est la 7, c'est la première. Après, il y a la 11 avec plusieurs modèles encore une fois. Et puis après, on va passer à la 15-6. Il faut savoir que la 7, c'était bien la puissance fiscale, c'était la 7 chevaux. Et puis après, la 11 chevaux, c'était aussi la puissance fiscale. Et comme chez Citroën, on fait rien comme tout le monde, la 15, bah, c'était une 16 chevaux, mais c'était le 6 cylindres. Donc, la carrière de la traction va s'achever avec la 15-6, avec une petite version passionnante. J'espère qu'on en aura une à vous présenter, puisque dans les derniers exemplaires, il y aura l'option oléopneumatique, qui sera déjà les prémices de la prochaine révolution automobile, c'est-à-dire la suspension hydraulique. Effectivement, on est en train, sur les dernières tractions, d'essayer une partie de la suspension de l'ADS. C'est un moment passionnant de l'histoire de Citroën, et c'est des voitures passionnantes aussi. Alors, dans les tractions, il va y avoir évidemment cette tenue de route et ces performances qui en font une voiture géniale. Et ça ne va pas échapper aux gangsters, puisqu'à l'époque, on aura aussi le gang des tractions avant. Alors le gang des tractions avant, on les attrapera quand les gendarmes auront des tractions à leur tour. Et puis, bon, la traction va traverser aussi la Deuxième Guerre mondiale. Elle va être un des véhicules préférés des Verts de Gris, qui vont bientôt se faire chasser du siège conducteur par les FFI, et ça, c'est pas plus mal. Donc, n'oublions pas, dans la gamme des tractions, un prototype étonnant qui n'est jamais passé en fabrication, c'est la V8. Il y en a eu une qui a été présentée avec deux moteurs accouplés, ce qui nous donnait un V8, ça donnait une voiture de grand tourisme. Elle n'est jamais passée en fabrication, c'est resté un prototype unique. Et puis, j'ai aussi une pensée pour une déclinaison différente de la traction, dans la mesure où les coupés, les cabriolets sont des voitures très esthétiques, c'est vraiment l'art de vivre à la française. Ce sont de très jolies voitures. Et ce qui est amusant, c'est que dans ces cabriolets et ces coupés traction, on a le coup de crayon de Jean Daninos, qui la participation de ce garçon qui sera plus tard Monsieur Facel Vega. Comme quoi l'excellence à la française, c'est pas d'hier, et on sait faire de très jolies choses. Et en plus, elle fonctionne. Donc, le programme aujourd'hui, c'est une belle traction. Elle est de 1950, c'est une belle auto, c'est celle de Marc. Il la choye, il y fait gaffe, il y fait attention. Elle est vraiment entretenue, elle est choyée. Bon, je vous souhaite autant de plaisir que nous, on en a eu à la rencontrer. Et bon reportage, bon visionnage, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
Salut mon Marco. Mathieu, comment tu vas? Ah bah écoute, comme un jeune, super. Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var et aujourd'hui avec toi, on va parler de la traction. Tu es un grand amoureux de cette voiture. Comment elle t'est venue cette passion et le but de te dire, allez, je franchis le cap, j'ai envie de m'acheter une traction? J'ai toujours adoré ces voitures depuis tout petit. Et quand j'ai eu pris ma retraite, ben après je me suis lancé un peu à regarder les revues, pas mal de documentation et j'étais tenté après par internet, en regardant sur internet les voitures. Donc partant de là, j'ai réussi à trouver, je me suis décidé, c'est vrai que parce que bon, en avançant dans l'âge, on se rend compte que la vie elle est courte, qu'il fallait en profiter. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui m'a déclenché de m'offrir une traction. Et j'ai fini par en trouver une au Mans. Donc qui était dans un état assez sympa. Voilà. Enfin, tu n'as pas eu gros travail de restauration. Voilà. Alors toi, tu es vraiment un peu, on pourrait classifier tes goûts automobiles sur la vieille France, la France qui sait vivre, la France du bon pinard, la France de la bonne charcuterie. Tu possèdes pas que la traction, tu as aussi un deuxième modèle qui est super sympa. Une deux chevaux. Donc ça, c'est pareil, quand tu la conduis, tu as la banane. Ah, c'est tout à fait, surtout il faut se promener avec sur les petites routes de campagne. Ça, c'est super. Quand on se promène sur les routes de campagne, même avec la traction, c'est fantastique. Quand il fait beau et tout. Tu arriverais aujourd'hui à dire j'ai une préférence pour une ou l'autre? La traction, c'est surtout le plaisir de rouler avec. C'est quelque chose de faire des expositions magnifiques. Et la deux chevaux, c'est alors pour partir un peu en voyage avec. Je suis en train de faire une restauration. Là, c'est le top. Charger la voiture et partir dans les routes de montagne, comme j'ai déjà fait avec les Pyrénées, on avait fait Salbris, on a fait l'Auvergne, on a fait l'Aveyron, on a fait le Vercors. C'est magnifique en deux chevaux, quand on se prend des tempêtes de grêle. Ça reste la liberté de conduire. C'est là, tout à fait. C'est-à-dire, encore que dans la deux chevaux, il y a peut-être des ceintures dedans, non? Oui. Voilà, mais de la traction, il n'y a pas de ceinture. Il n'y a rien. Vous rentrez, on s'assoit et on part. Et c'est vrai que maintenant, il manque ce petit truc, on cherche un peu les ceintures, on cherche. Donc on pourrait appeler ça aujourd'hui, c'est pas un plaisir de conduire, mais un art de conduire. Ah ou... oui, c'est tout à fait. Ouais. Donc, on se sent bien, on se sent tranquille, zen. Bah, c'est confortable en plus. Elle est très confortable. C'est une auto quand même qui était révolutionnaire. Non, j'imagine que tu dois prendre ton pied quand même. Ah oui. Donc, oui, tout à fait. Au niveau de la conduite, est-ce que tu retrouves le même confort que dans la deux chevaux ou c'est vraiment deux autos complètement différentes? Deux autos complètement différentes. Donc que ça soit sur le freinage, le machin. Ah, tout. Non. Parce que quand même la deux chevaux, si on parle un peu de la deux chevaux, le modèle que j'ai qui date de 1989 est quand même équipé de freins à disque. Ouais, donc déjà, quand on freine, on freine. Jusqu'à quelle traction, quand il faut freiner, il faut quand même évaluer les distances. Ouais, c'est ça. Comment on dit, entre nous tirer les plans sur le comète avant de s'arrêter. Tu réhabitues ta conduite à l'environnement d'aujourd'hui avec une voiture qui a aujourd'hui 60. Combien ça fait? Elle est 1950. Ça fait 68 ans bientôt. Elle a 68 ans la mémoire. Car son mois de sortie, je ne le connais pas. Donc c'est vrai que quand tu as une voiture devant toi, tu te dis ouh, je vais aller piano. Voilà. Mais elle tient son 90 tranquille. Donc, bon, bah écoute Marc, on va la détailler encore plus cette traction et on va faire le tour. Et puis Laurent, que je vais te présenter, va nous expliquer avec toi donc, les caractéristiques vraiment de la traction. D'accord. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, regardez ce qu'on a dans le studio. Donc on a une traction 11 BL de 1950. Donc BL qui veut dire berline légère. Donc Marc va nous raconter son histoire. Salut Marc, comment Bonjour, ça va très bien. Elle est magnifique. Voilà, c'est un modèle 1950. Alors comme tu as dit tout à l'heure, berline légère, c'est une caisse de 7 chevaux. Les tractions de 7 chevaux. La 7 chevaux, voilà. Ouais. C'est pour ça que la caisse elle est petite, ils ont appelé ça berline légère. Et là, ce qu'on reconnaît tout de suite dans la traction, c'est la calandre qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Bon, on ne peut pas se tromper. Quoi. Voilà. Donc il y a les chromes, donc il y a même les phares. Là. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors les phares, ce sont un anti-brouillard et un longue portée, c'est ce qui se faisait à l'époque. Ouais. L'anti-brouillard qui était monté à droite pour bien éclairer le côté. Le bas-côté. Et le longue portée pour éclairer bien devant. Avant-gardiste. Voilà, tout à fait. Et donc Marc, qu'est-ce que cet insigne là, que tu as mis au milieu là, qu'est-ce que ça représente alors? Ça représente des ailes.
qui n'est plus ni moins qu'un cache pour le trou de la manivelle. Pour mettre la manivelle. Pour mettre la manivelle qui est derrière. Vous pouvez démarrer la voiture. Ça se démarre la manivelle et ça se démarre très bien la manivelle. Ah ouais, c'était pas trop dur. Hein, c'est un peu dur, mais bon, ça va. Il y a justement pour ça, à l'intérieur, nous avons le réglage de l'avance manuel. Ouais. Et en mettant un peu de rotor, on arrivait très bien à démarrer. C'était très pratique. À l'époque, c'était important parce que les batteries. Donc là, je vois qu'il y a des. C'est toi qui les as rajoutées, non? Non, c'est d'origine. Il y en a devant et derrière. Ce sont des origines, ce sont des pièces qui servaient à l'époque. Bon, toutes les routes n'étaient pas comme maintenant, bien goudronnées. Il y avait beaucoup de chemins en terre et ça permettait de se nettoyer les. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà. T'arrivais, hop, tu nettoyais les avant chaussures de monter, et tu montais dans la voiture. On se grattait les pieds comme ça. D'accord, super. Bon Marc, là on retrouve les portes suicides, donc voilà, comme les vieilles de chevaux. Donc on pouvait rentrer. Oh bah dis donc, regarde, il n'y a pas de serrure sur ces portes. Ah non, c'était une sécurité. Ça permettait donc au chauffeur, le conducteur pour rentrer à l'intérieur, il était obligé de passer par le côté passager. D'accord, donc là-bas, si on va là-bas, il y a la serrure. Il y a la serrure. Il y a la serrure. Ça évitait. Tu verrouillais la porte de dedans. Voilà. On pouvait sortir éventuellement par ici s'il n'y avait pas de voiture, mais pour rentrer, il fallait rentrer de l'autre côté. Pour éviter de se faire happer par une voiture. Et là, donc, avec les portes suicides, ben, en même temps, on appelait ça porte suicide, mais c'était quand même super pratique pour rentrer dedans. Hein. Donc là, Marc, on va parler un peu de l'arrière de la voiture. Donc la malle, parce que moi, dans ma tête, la traction, elle avait une grosse bosse derrière. Oui, ça sert à partir pourquoi pas la tienne? Parce que ça, c'est un modèle qui est avant 52. D'accord, donc jusqu'en 52, c'est la route secours qui est comme ça. Et après, ils ont sorti la malle. Ah, cette fameuse malle que... Pour gagner de la place. Je connaissais que celle avec la malle. Hein. Et la roue de secours était à l'intérieur. Donc là, il y avait un gain de place. Hein. On peut ouvrir. Oui, on va regarder dedans, on peut voir un peu. Il y a un peu de Bronx. Voilà, ça va pas. D'accord, donc après, ils ont gagné en volume. On pouvait y ranger peut-être plus une valise. Alors, cette traction, elle était révolutionnaire. Elle a révolutionné le monde de l'automobile, donc par sa tenue de route. Ah oui, qui est due à sa suspension. Suspension roue indépendante à l'arrière. Voilà. Et bien entendu à la barre de torsion. Suspension par barre de torsion. Donc la traction, évidemment. Traction avant, d'où son appellation. Voilà, donc bon, c'est un peu appellation, mais bon, une traction, c'est forcément à l'avant. C'est ce qui a quand même révolutionné. Toutes les voitures avant étaient en propulsion. Voilà. Donc c'est vraiment la première qui a été faite en série. Et chose supplémentaire, le moteur se trouve vers l'intérieur de la voiture. Devant le moteur, on retrouve la boîte de vitesse, ce qui, au niveau du centre de gravité, est beaucoup plus efficace. Vous allez trouver un équilibre. Voilà. Voilà, le moteur est donc plus bas. Donc le moteur, toi, tu l'as fait refaire. Il a été refait. Est-ce qu'il est toujours avec les bielles régulées, comme on appelait ça à l'époque? Non. Là, il y a des coussinets. Tu l'as passé en coussinets. Pour une fiabilité, la régule, c'était une matière, donc... Fallait savoir... Voilà, il y a une façon de le faire. C'était dur, mais manuel. En même temps. Voilà. Et de là, l'appellation coulait une bielle à l'époque. Donc la régule se disparaît. Qui fondait. Voilà. Exactement. Donc toi, tu as mis des coussinets. Donc là, la voiture est fiabilisée. Et je vois que tu as mis aussi sur le radiateur, tu as mis un radiateur plus gros. Non, pas du tout. C'est le radiateur d'origine. D'ailleurs, c'est le problème des berlines légères. C'est une caisse de 7, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Donc obligé de monter un radiateur de 7 chevaux. Donc c'est un radiateur qui est beaucoup plus petit que le normal. Et tu as mis un petit ventilo électrique. J'ai rajouté un ventilateur additionnel à l'avant, qui lui fonctionne en 12 volts, mais avec un transformateur. Un transfo, parce que la voiture est en 6 volts. Voilà, de façon à transformer le 6 volts en 12 volts. Pourquoi Citroën la signification des chevaux. La signification de ces deux chevaux. Donc c'est Citroën qui a créé, bon qu'il n'a pas inventé, parce que il sait tout, Marc. C'est les pignons de bois de vitesse. Les pignons de bois de vitesse qui étaient en forme de chevron. C'est encore Citroën qui a trouvé ça. Voilà. Ouais. Donc la robustesse et le silence. Et le silence surtout, voilà. Avec les pignons donc coniques. Voilà. Et pas des pignons droits dans la boîte de vitesse. Et du coup, il en a fait son logo. Ça en a fait le logo. Il en avait des idées, ce Citroën. Bien entendu, le moteur, plus comme maintenant, c'est tout en fonte. Ouais, culasse, bloc moteur, carter, bois de vitesse. Ça devait peser. Un âne mort. Un âne mort, c'est ça. Alors déjà, quand je vois la malle arrière, ce qu'elle pèse, le moteur, quoi, bon, la voiture, combien elle pèse au total, tu sais? Eh bien, justement, elle fait une tonne, elle doit faire une tonne 36 ou un truc comme ça. Ah, ça va, encore. Ah, ça va. C'est bizarre. Bien entendu, la caisse, il n'y a pas de châssis. C'est monobloc.
Oui, ah oui, ça il faut le préciser. Et il y avait aussi à l'époque, sur celle-là, tu pouvais déboulonner, donc on appelait ça l'unit. C'est-à-dire on sortait l'ensemble. On sortait tout l'ensemble. Déboulonnais comme les longerons, en fait, c'est pas vraiment des longerons. Comme les HY. Voilà. On les voit pas bien ici. Non, on les voit pas, mais c'est dommage. Il y a deux grosses broches qui sont ici. Et tu sortais, après, moteur bois, voilà. Tout le devant tout partait. Et les roues avec. Bon, bah merci Marc de nous avoir présenté cette belle demoiselle. Car là, même à l'intérieur, c'est un truc de fou. J'avais jamais mis le cul dans une track bar. C'est magnifique. Il y a du chrome de partout. Le compteur, c'est juste une œuvre d'art. On entend le petit tic-tic de la montre. Le levier de vitesse, c'est un truc de malade. J'avais jamais vu ça. Et pour la petite anecdote, je vois qu'il y a beaucoup de place à l'arrière. Car ma sœur a été conçue dans une traction. Et oui, ça, personne ne savait. Et je l'ai appris il y a deux jours. Mon père en avait une et tic 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 tac, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais enfin voilà, pour la petite histoire. Bon bah écoutez, maintenant on va passer à l'essai et on va pouvoir voir sur la route ce que donne cette magnifique traction. Merci encore à toi Marc. Marqué. On est dans la belle traction. Alors, parle-nous de ce plaisir de conduire avec une auto légendaire, une grande dame. Ben, c'est un plaisir, surtout sur les petites routes. Alors là, on se retrouve propulsé dans les années 50, puisque bon, on est de 1950. D'autres, avec ce beau soleil, c'est un plaisir. C'est comme on disait, c'est un art de conduire. Voilà, c'est un plaisir, retrouve, c'est autre chose. La vitesse, on n'a pas du tout envie de faire de la vitesse avec. Bah, de toute façon, tu disais bientôt tu vas devoir même la brider parce que ça va être limité à 80 km/h. Voilà, donc à 80 km/h, il va falloir la retenir un petit peu quand même. Donc, pour ne pas se faire flasher, achetez une traction, vous êtes tranquille. Alors Marc, on va rentrer dans des éléments sans parler d'argent ou quoi que ce soit. Mais surtout, tu es un des mieux placés pour en connaissance de cause. Quelqu'un qui voudra acheter une traction aujourd'hui, quels sont les points qu'il faut se méfier sur ces autos? Est-ce que tu peux renseigner et donner toi ton savoir-faire avec cette voiture? Ben, comme beaucoup de voitures, ben, c'est la rouille. La rouille qui peut se trouver dans les jambonneaux, ce qu'on appelle la partie du châssis à l'avant. Ouais. À l'intérieur, faire attention à ça, toutes les portières, le bas de caisse. Après, au niveau moteur, bon, faire attention aux blocs aussi. Ce sont des blocs en fonte, ça peut arriver qu'ils soient fendus, il faut faire attention. Mécaniquement, après, c'est mécaniquement, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, on retrouve facilement des pièces quand même. Voilà, ça c'est important. Alors, c'est quoi? C'est de la refabrication ou tu arrives à retrouver des pièces d'origine? Il y a des pièces d'origine en occasion et il y a de la refabrication aussi maintenant. Après, ça reste accessible niveau prix? Ben, tout dépend de ce qu'on achète, certaines pièces sont assez accessibles. Alors aujourd'hui, pareil, hein, pour pas se faire escroquer, parce qu'on sait que dans la voiture ancienne, maintenant, il y a à manger, à boire, il y a de tout. Voilà. Un budget raisonnable pour acquérir une traction, faut compter combien? Alors, bien sûr, je parle pour les personnes qui n'auraient pas forcément les connaissances et les compétences de se lancer dans une restauration pour acquérir une traction en bon état. En bon état, à condition, bien entendu, qu'elle le soit vraiment. Parce que maintenant, on maquille souvent les voitures. Il faut compter à peu près dans les 15 000 euros, à peu près. C'est pas excessif hein, quand tu vois la qualité de la voiture et puis c'est des bijoux quoi, ça reste correct. Ah ben c'est bien entendu, il y a un certain entretien qu'il faut quand même suivre dessus. Voilà, ça c'est capital. Bon ben je crois que là, vous pouvez acheter une traction, Marc vous a tout dit. Donc fiabilité, au niveau d'un véhicule ancien, on n'est pas forcément sur des prix comme aujourd'hui, on pourrait le voir sur pas des Alpines non. Ou des voitures qui dépassent les 100 000 euros, là on est quand même sur des prix où on peut se faire plaisir avec une somme raisonnable. Et encore, on parle d'un véhicule en très bon état, donc celui qui veut se lancer dans une restauration, à moins de 6 000 euros, il peut trouver quelque chose alors. Il peut, pour les restaurations, oui, alors là, il y a tous les prix. Mais il faut faire attention, bien entendu, car il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent avoir des mines d'or.
Étant donné que ce sont des vieilles voitures, bien sûr, c'est comme les deux chevaux. C'est ça. Et le tout cas du temps, bon, c'est des épaves. Et vous avez pas mal de surprises. Moi, bon, sur celle-là, la surprise que j'ai eue quand je l'ai achetée, bon, au niveau carrosserie, elle est comme elle est là maintenant. Et bon, quand j'ai monté l'indicateur de température d'eau et de pression d'huile, c'est là que je me suis rendu compte qu'au niveau de la pression d'huile, ben, la pression d'huile ne tenait pas, ça n'arrêtait pas de chuter. Donc il y avait une fuite interne au niveau du vilebrequin, trop de jeu au niveau du vilebrequin. Ouais, donc c'était... Donc il a fallu changer le vilebrequin, rechanger les coussinets, refaire, voilà. D'accord. Un piston qui était monté à l'envers, parce que quand on a démonté le moteur, il a fallu voir, donc pour la pompe à huile, et on s'est rendu compte qu'un piston était monté à l'envers, donc partant de là, ben, de fil en aiguille, on te refait le moteur. Ouais, et là tu te retrouves vite dans des galères, quoi. Après, enfin, ça crème. Le principal, c'est qu'aujourd'hui elle fonctionne, et puis nous on vous propose un bon reportage. Hein, voilà, avec ce magnifique soleil, c'est... Alors Marc, je vais te laisser nous détailler l'instrumentation et la planche de bord de la traction. Voilà, bon, on va commencer par la boîte à gants. Alors la plaque nominative, ça à l'époque c'était obligatoire. Dessus il y a le nom du conducteur et théoriquement il doit y avoir l'adresse aussi. Donc ça c'est obligatoire comme sur les vélos. Après ici on passe, là on a le starter. Ici le démarreur. Ça c'était pour l'éclairage. En haut, plafonnier, et ça c'est l'avance automatique, enfin, du moins c'est l'avance manuelle plutôt, voilà. On a le levier de vitesse avec la première, deuxième, troisième, et là c'est la marche arrière. De ce côté, c'est la remise à zéro du compteur journalier qui se trouve là. De l'autre côté, c'est le réglage de la montre qui fonctionne. Là, il y a le totalisateur. Charge de la batterie et la jauge d'essence. De ce côté, on a les clignotants. Et dessous, bon, on n'arrive pas à les voir, il y a deux petits boutons. À l'époque, on n'avait pas de warning, mais on avait des feux de position. Quand la voiture était garée sur le côté droit, on enclenchait un petit bouton et on avait un petit feu de position sur le côté gauche de la voiture qui s'allumait et vice-versa pour le côté droit. J'ai rajouté ensuite, bien entendu, la pression d'huile, qui est là, qui est très importante aussi. Et la température d'eau, ça c'est encore plus important. Car c'est un modèle équipé d'un petit radiateur, car c'est la caisse d'une 7 chevaux, les premières tractions. Et dessus, j'ai un moteur de 11. Donc j'ai un petit radiateur. Donc ça chauffe par les temps qui courent assez rapidement. Pour le reste, bon, ben, le rétroviseur. La commande du pare-brise pour ouvrir le pare-brise et dessous, le comble de luxe, une petite manette qui ouvre un volet qui se trouve devant le pare-brise pour envoyer de l'air sur les pieds, les jambes du conducteur et du passager. Voilà, alors ici, bien entendu, c'est l'essuie-glace, moteur d'essuie-glace. Voilà, on voit fonctionner d'ailleurs à. Qui s'accélérera au fur et à mesure qu'il pleut. Avec l'arrêt automatique à zéro. Marc, c'était un plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Génial. Elle est, comme a dit et a résumé Lolo, elle est magnifique. Donc d'ailleurs, il nous a annoncé une petite anecdote bien sympa. Hein. Ah, ouais, ben, à l'époque... Ça a dû gling, gling, gling derrière. Hein. À l'époque, c'était Mariole. Oh, c'est pas comme maintenant. Et puis, t'as fait... Et moi, j'ai même sorti le blouson genre aviateur après la guerre. Là, c'est pour aller avec le style, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est... Non, en tout cas, elle est superbe. Ça a été un plaisir de te recevoir, un plaisir de la rencontrer, que tu nous présentes ce véhicule extraordinaire. Et puis, bon, toi, tu veux pas nous dire la petite anecdote sur son année, hein? Non, non, tu veux pas, on dit rien. Hein? Allez, disons qu'on a le même âge. Ah, on en sait. Alors, elle est de 1950, vous avez le même âge. Faites tes calculs, les amis, vous verrez. Bon, Marc, t'as droit à ton bisou. Allez.
Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et nous, je vous retrouve moi la semaine prochaine pour un reportage, alors si je ne vous dis pas de bêtises, sur une Porsche 911 SC de 1981 et un groupe 4. Et je peux vous dire que le geek qui l'a conduit, ça dépote. A bientôt et merci.